Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire mon abécédaire du lundi avec la lettre C. Donc, je vais faire un avec mon pochoir. Je vais faire un storyboard. Pas un moodboard, mais un storyboard. Donc, je vais venir d'abord tracer mes cases et je le fais sur une toile. Donc, ça sera avec la lettre C. Et avec le C, ça sera pour moi. Ben, ça sera chat. Voilà, c'était, je pense, pas trop dur à trouver. Donc, je trace. Hop là, sans faire de bêtises. Mes petites cases de mon storyboard. Ensuite, non. Essayons de tracer droit. Et ensuite, je viendrai mesurer et je referai. Je couperai mon papier par rapport cette place pour les deux petits. Faudrait une comme ça et je vais en faire une peut-être plus longue comme ça. J'ai tracé toutes mes petites cases. Ah oui, je vous ai pas dit.
On est jeudi 9 mai et il est 6h-10 du matin. Je suis réveillée depuis 2h30, 3h du matin. Je n'ai pas réussi à redormir. Donc j'ai fini par me lever. Et je me suis dit, ben, j'ai rangé un peu ma scrape. Et je me suis dit, je vais faire mon storyboard pour mon abécédaire de lundi. Comme ça, il sera fait. Je vais venir faire pause, je vais venir chercher mon papier. Et je vais tout couper avant pour pouvoir après les placer, que ça prenne moins de temps. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je reviens quand même vous montrer le papier que j'ai choisi. C'est Shabby Love de Toga. Donc je vais venir choisir mes papiers et pour faire mes petits... je pense que je vais faire aussi en... Ça y est, encore une fois, je ne retrouve pas le mot. Je vais venir mater. Donc je vais tout couper. Et après je viendrai parce que faut que je coupe pour mater, faut que je pense que ça va être assez long. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'ai tout coupé. Mais il y en a, ils sont coupés. De toute façon, je vais mater, je pense, pour faire ressortir. Je vais prendre les petites cartes là. Que je mette en comme ça là. Hop, je vais voir. Je peux faire un matage. Faut que je reprenne les mesures pour que ce soit un peu plus grand. On se retrouve bientôt. Ça y est, j'ai tout coupé, j'ai fait mes matages. Je vais faire, je pense, quelque chose un petit peu sur les côtés avec ça. Et après je viendrai tout coller. Donc je vais tout pousser, mettre ça là, hop, hop, hop. Tac. Pourquoi il reste pas allumé? Mes petits bidules, voilà. Et je vais venir faire des petites choses sur les côtés. On va prendre un peu de vert, un peu de jaune. Alors, on va prendre le Shabby Shutter et le Fossilized Amber. Voilà. Les encres. Hop. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Comme ça.
ça. Ça va faire des petits pois. On va en mettre des verres. De toute façon, je vais faire pause sinon ça va être trop long. C'est pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Hop. C'est pas grave si ça déborde de toute façon. Sur mes photos, sur mes, puisque de toute façon là ensuite je vais poser tous mes petits trucs. Là, on va mettre du fer. Je salis, je vais donner un petit coup. Voilà. Mon doigt jaune, il est où? Il est là. Ça m'a fait du. Saleté là, c'est pas grave, je vais bien le nettoyer. Bon, je vais faire pause, je vais continuer, je vous reprends après. Voilà, j'ai fini mes petits points en encre. Bon, ça a un petit peu fait des petites salissures, mais c'est pas grave, vu qu'il va y avoir mes petites étiquettes. Donc je vais venir les coller. On va faire ancrer. Voilà. Ancrer, coller. Je viendrai couper aussi parce que sinon le temps que je colle tout ça va être trop long. Là je fais un peu avec vous.
déjà 6h30 passées. Je crois que je dormirai mieux ce soir. Hein. Je dormirai mieux ce soir. Hop. Je vais venir faire les autres et après je ferai tout ce qui est petite déco avec vous. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, je vous montre deux minutes mon avancée. Vous voyez, si je vous prenais, ça mettrait 10 ans. Je suis lente. Hein. Donc, voilà, j'avance. Voilà, c'est tout fini, c'est tout collé. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, je vais aller chercher de la déco et on va venir décorer tout ça. Voilà, j'ai pris toutes mes petites décos, j'ai mon C de chat, je vais venir le coller, c'est lui que je vais coller en premier. Hop. Je vais le mettre en bas. Voilà. Tac. Tac. Hop là. Ça sort. J'avais pas bouché. Alors, on va venir mettre des petits chats. Alors, essayer de mettre des chats qui vont quand même bien avec. Avec le ton. Là forcément à un moment la fatigue se fait sentir. Déjà, je vais prendre ce que j'ai là. Alors, on va pas en mettre sur toutes les cases. D'abord, on va les mettre un peu comme ça, un peu en décalé. Ce qui est bien, c'est que c'est autocollant. Un petit miroux là. Bon là comme ça. Un autre là, lui je l'ai mis là. Sinon, on n'en met que 4, hein. On n'est pas obligé d'en mettre 15 milliards non plus. On a compris que c'était chat. Hein. Oh, purée. Ah oui, hein, toujours les autocollants décollés. Hein. Mettre comme ça.
Oh là 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 là, y arriver. Voilà. Ça suffit. On n'en met pas plus. Hop. On va venir mettre des fleurs parce que je suis très fleur en ce moment dans mes créas. Hein. J'ai retrouvé ces fleurs-là, je les trouve trop belles. Voilà. On va mettre à côté des petits matous comme ça. On va être dans ton jaune. Celle-ci, comme ça, hop, voilà. Oh. Excusez-moi pour le bruit, hop, et pourquoi pas des petits papillons. Pourquoi pas. Comme il y a des papillons. Hop. Un autre. Là. Et un autre. Et voilà. Oh, bon, c'est décollé. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, je me suis précipitée. Bon, c'est pas grave, c'est décollé. Est-ce qu'on vient mettre un sentiment? Peut-être pas la peine. J'ai mon C de chat. Voilà mon storyboard. C'est pas un moonboard, c'est un storyboard. J'espère que vous l'auriez bien. Tac. Normalement. Oui. Voilà. Pour l'abécédaire de lundi. Avec l'abécédaire de lundi. C'est comme chat. Voilà. Bah, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Bisous. Bye bye.